Bon, alors les montées de Lansbranlette, où se côtoient les amateurs et les randonneurs sportifs, et puis aussi quelques élites qui viennent se faire les cuisseaux un petit peu sur cette montée sauvage du col du Petit Saint-Bernard, hein, où on flirte avec les 3000 mètres d'altitude. Alors aujourd'hui, on a eu la surprise d'avoir Rémi Bercher. Rémi Bercher, c'est qui? Bon, Rémi Bercher, c'est avant tout un passionné de montagne, et puis un petit peu plus de course à pied et puis de ski. Après, en habitant dans le coin, bah, du coup, je pense un petit peu comme tout le monde, je pratique un peu tout le temps. Et puis, vu que j'ai un petit peu plus de temps, bah, ça me permet de faire des résultats qui commencent à être honorables. Alors justement, rappelle-nous un peu ton petit palmarès, si on peut appeler ça comme ça. Bah, dernièrement, celle qui me fait bien plaisir, c'est la 3e place au 80 du Mont-Blanc. Et puis sinon, j'ai fait aussi 2 fois 5e de la TDS. Et puis voilà, après il y a des places un petit peu plus anecdotiques. Mais... La place anecdotique, 4e sur le niveau les revers, dans un contexte quand même très relevé, celle-là elle vaut quand même. Elle est pas mal celle-là. Oui, après il y a des places qui sont pas des podiums mais qui font plaisir. Alors dis-moi, je crois que t'es de Bourg-Saint-Maurice, donc tu connaissais un peu ton terrain de jeu ici quand même. Ouais, alors je suis d'Aime exactement, enfin même j'ai grandi à Bozelle et maintenant j'habite à Aime. Alors ici, j'y étais jamais monté, j'étais passé au pied avec la TDS pas mal de fois en reconnaissance, etc. Mais sinon, non, j'étais jamais venu me balader jusqu'ici, c'est super beau et c'est bien sauvage, il y a une vue assez remarquable sur pas mal de sommets que j'ai fait en ski, du coup c'est bien sympa. Alors le début il est assez roulant quand même, et du coup c'est la fin où ça se corse et ça devient bien raide. Je pense qu'il faudrait comparer les pourcentages de la fin du parcours avec un kilomètre vertical, et on devrait être pas trop mal au niveau raideur de la pente, donc ça permet de bien se tirer dedans, et puis ça fait des belles séances. Puis il faut quand même chercher un petit peu ses pas, peut-être aussi un petit peu de temps en temps. Oui, il faut pas faire n'importe quoi, surtout sur la fin il y a 2-3 marches, puis il y a quand même des trous pas trop loin. C'est un beau parcours où on part de la verdure du Petit Saint-Bernard jusque dans les sentiers un peu plus alpins au sommet de Lansbranlette. Et ben c'est samedi, là dans une semaine, l'ultra du Beaufortin. Donc ça va être un petit peu plus long qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'était la dernière séance pour voir si j'avais récupéré du 80 du Mont-Blanc, et puis visiblement oui, c'est bon. Donc voilà, après ce sera objectif vacances, une belle coupure en plein milieu d'été, rien fin août, et puis après je verrai quelque chose à l'automne, certainement à nouveau une course d'une centaine de kilomètres pour éventuellement passer l'année prochaine sur des courses un petit peu plus longues, quasiment les formats 100 miles quoi. D'accord, donc ici sur les montées de Lansbranlette, tu connais le principe, hein. On a 6 manches. Ouais. Et puis on prend le meilleur temps des 6 manches. Donc tu vois, tu peux encore venir améliorer le temps. Ouais, je sais pas, ce que j'étais pas mal aujourd'hui, donc je sais pas si je pourrais améliorer. On verra bien, non mais c'est bien sympa, ça gagne à être connu cette petite course. Bon bah écoute, merci Rémi, et puis vraiment sympa d'être venu nous voir. Merci à vous. Allez, et puis salut. À plus tard, salut. Très sympa, très assez raide à la fin et un peu boueux, donc ça glissait pas mal, mais sinon très très régulier. D'accord, tu connaissais ici un peu le col? Non. Enfin, le col, oui, mais pas Lansbranlette, non. D'accord, et tu viens d'où? Je viens du côté de Mâcon. D'accord. Et tes prochains objectifs, c'est quoi? C'est la Sidélac. Et c'est mes premières expériences montagne, en course. D'accord. Bon, bah, très bien, bah, au plaisir de te revoir alors. Hein. Avec grand plaisir. Merci pour tout. Allez les gosses, c'est bien, allez, on est arrivé là, allez, 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 on donne tout. Oh, top. Thank you.
C'est bien, vas-y. Allez, le boule. Il y a une petite réaction. Alors ouais, le parcours. Bien cool, bah, c'est bon, hein, y a pas de vent, on est au top. Demain ça va être bien aussi et puis voilà. Demain tu fais le trail des moulins? Ouais, on va essayer. Je pense que les mollets vont avoir un peu de mal. Mais... non, ça va être cool. Ok. Bien, bah, ça lance bien la saison en tout cas. Bah, c'est une très belle montée. En plus il fait beau aujourd'hui, c'est bien varié. Il y a de l'herbe, il y a des cailloux, c'est assez ludique, c'est vraiment sympa. Et c'est assez accessible à tous finalement parce que j'en fais pas beaucoup, donc vous pouvez venir. Franchement, c'est hyper sympa. Tu connaissais un peu ? J'étais venue il y a très longtemps, mais j'étais pas revenue depuis un petit moment, et c'est vrai que ça casse bien les pattes quand même, surtout à l'arrivée, dernier mur. Alors tu m'as dit que tu organisais des trails, où ça va un peu ? Explique. C'est vrai, j'organise le trail de Bozelle qui a lieu le troisième week-end de juin chaque année. Et du coup c'est vrai que vu que j'en organise, j'aime bien aussi en faire, donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui, j'étais en congé donc je suis venue. Bon, et ton prochain trail alors ? Le K2 à Villa-Roger, c'est chez moi en plus, donc c'est un peu mythique pour moi. On va, au lieu de descendre la plus longue piste d'Europe, je vais essayer de la remonter. Je dis bien, je vais essayer parce qu'on verra, c'est dur aussi, je pense. Alors là, on va suivre tes performances avec intérêt alors.